La démarche de co-construction a identifié 11 priorités stratégiques. La première qui arrive, c'est l'équité, et j'aurais presque tendance à penser qu'elle prend le pas un peu sur toutes les autres. Alors derrière cette terminologie, il y a une notion très simple, mais dans la pratique, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est la même pour tous. Tous les départements respectent la loi, mais on le reconnaît dans les façons d'appliquer. Il y a des choses différentes. Et c'est là que la branche est, à mes yeux, très très importante, parce qu'elle va nous permettre de progresser dans la construction, effectivement, de modes opératoires qui vont conserver l'identité locale et donc cette équité territoriale. Équité ne veut pas dire uniformité. Il va falloir valoriser et utiliser les atouts locaux. Et en cela, la branche est très importante, puis elle est essentielle par les moyens financiers et les outils.